Et salut tout le monde, c'est Mentalis et on se retrouve pour le troisième épisode de notre aventure sur Pokémon Rouge Feu en Randomizer Nuzlocke Challenge. J'espère que vous allez bien, moi je pète le feu les amis. Et donc aujourd'hui on va déjà commencer notre épisode par la capture d'un nouveau Pokémon au Mont Sélénite. Et ce Pokémon va être Dracaufeu. Yeah. Enfin faut encore réussir à ne pas le tuer, ce qui va être dur à mon avis. Sonic Boom. Wouf. Ça fait mal. Bref. Bon, l'essentiel c'est qu'on l'ait pas tué. Donc ensuite on va switcher sur Samaï, hein, parce que avec Samaï ça me va. J'étais obligé de faire ce jeu de mots. What? Ok. Berceuse. Bon hop. On a trop de choses à foutre. Ah mais oh. Allô. Allô. Mais allô, mais Samaï. Bien. Il est endormi. Oui, voilà, donc sac. Désolé si j'ai dû accélérer un petit peu. On a 7 Pokéball, ça doit être suffisant pour capturer un Dracaufeu level 7. Et en plus, bien affaibli. Ouais, hein, eh ben non. D'accord, c'est mieux quand on accélère en fait. Allo? Non, vaut mieux endormir, les amis, nous sommes d'accord. Berceuse. Mais putain, mais Samaï, mais Quick lavait les yeux. Mais oh putain, mais t'es une véritable. Mais allo, mais Samaï, t'es une catastrophe aujourd'hui. Attends. Et attends, attendez quand même les amis, hein. Il nous a fallu 9 berceuses pour l'endormir deux fois. Ah ben voilà. Et donc là les amis, nous avons capturé un Dracaufeu. Ben moi je dis, ça c'est un bon début d'épisode. Hop là. Peuvent le faire voler à plus de 1400 mètres d'altitude. Ce Pokémon crache du feu à des températures très élevées. Bien. Donc oui, on va le surnommer. Et ben justement ça tombe bien parce que j'ai une idée. Hop. Donc voilà, on va l'appeler Dino. Voilà, donc il y a un ami à moi. Donc bienvenue à toi dans ce let's play Dino. Ok. Voilà. Donc les amis, ce que je vais faire c'est XP le Dracaufeu en off. Et donc on se retrouve juste après donc son passage au level 18. Oui, parce qu'il y a tout le monde au level 18. J'ai peut-être dû oublier de vous le dire. Bon, de toute façon, vous en doutiez. Je vous l'avais dit à l'épisode précédent. Allez, de suite. Et tout le monde. Bref, donc ça y est, Dracaufeu est level 18. Enfin, Dino, pardon. On va juste trier comme d'habitude par rapport au PV. Donc, c'est forcément toi en premier. Ensuite, c'est. Non. Voilà. Toi ensuite c'est là. Toi ici. Et enfin toi là. Voilà. Bon, de toute façon voilà. Donc ça fait tac tac, c'est bon. Bien. Donc c'est parti les amis. J'ai vu qu'il y avait un item en bas. Bon, sur quoi on va tomber? Coconfort. Donc j'ai vu qu'il y avait des Coconfort, des Love Disc, des Flobio. Enfin bref, il y a tout plein de Pokémon très rigolo ici. Hein, mais je pense que le. Mais j'hésite. Dracaufeu ou Flobio, lequel des deux est bon? Je sais pas, enfin bref, il y a de tout, il y a des Kyogre aussi. Hop. Et on obtient Lumi Éclat. Je peux apprendre ça? Oh, ce serait énorme. Enfin bon, on verra ça plus tard les amis. Hop là, il me semble qu'il y a un item en haut. Genre une poussière étoile, une connerie comme ça. Un Balignon, bon. Bon, là clairement les amis c'est je passe en accéléré tout simplement parce que bon on a d'autres chats à fouetter. Bien, là par contre un combat dresseur, pas d'accéléré sauf si il me fait baisser la précision. Donc deux Pokémon, un Simularbre. Ouais c'est un bon Pokémon ça dites moi. Enfin en tout cas pas trop pourri. Sonic Boom. Enfin, bon ouais, bon d'accord je dis ça mais oula. Fléau, bon je vais rien prendre. Oh mon dieu 3 PV. Fléau, je vous rappelle, c'est en fonction des Pokémon des PV restants. Là, par exemple, s'il me fait Fléau, il va m'infliger plus de dégâts. Hop là, mais bon, il en aura pas l'occasion, il sera mort avant. Il est mort. Bref. Et Pokémon suivant, c'est un. Ah bah tiens, un Flobio. Sonic Boom, et logiquement, on en est débarrassé. Non, même pas, d'accord. Pistolet à eau, bon. Mon dieu, j'ai pris cher. 6 PV quand même. Oh, mais ça me chie, mais va te laver les yeux toi aussi. Entre Samaï qui rate ses berceuses et Samshi qui rate Sonic Boom, bon sang, aujourd'hui on est vernis. Hein. Bref, c'est pas grave. Blabla, blabla. T'as même pas level up. Bon, on va faire un rapide. Allez, au centre Pokémon. Oh là, je suis désolé, mais bon, quand c'est chiant, je m'autorise les accélérer. Oh, Sablero, tiens, j'en ai pas vu. Flobio, donc ça, je les ai vus.
Voilà. 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 Voilà, c'est comme si c'était rien passé. J'aurais pu faire une ellipse, mais non. Hein, je me tape le déplacement, vous aussi. De quoi? J'attends mes potes ici. Hein, lol. Bon. Donc, fillette, je sais pas quoi. Iris. Ok, Makuhita. Non, je ne le crains pas. Allez, Sonic Boom! Oula, c'est tout? Oh, fais ça, t'as plus de chances de te retrouver paralysé, mon grand. Non, il a pas. Ah, voilà, si. Bien, donc forcément, elle m'a touché 5 fois. Hein. Et charge. Oh, pardon, j'avais dit pas pendant les combattants. Oh, de toute façon, c'était la fin. Voilà, allez, hop, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, le disque! L'un des Pokémon les plus ridicules du jeu. Non, pas là. J'aurais dû acheter les rappels. Enfin bon. Donc, nous affrontons un Intello Rémi qui envoie un Lumivol. Bon. Bah, enchanté à toi, Lumivol. Enfin, enchanté de t'en rencontrer. Sonic Boom. Sonic Boom. Charme. Oh, il est trop mignon. Oh, pardon, elle est trop mignonne. Pardon, excusez-moi. Hop, mais ça n'empêchera pas de la nihiler. Oui, bon, annihiler, hein, c'est écrit en un seul mot. Hop, et... Wellmer, tiens, ce sac à PV aussi, bah je sens que lui, ça va être 3. On va voir ça. Ouais, 3. Mon dieu, c'est vrai, il n'a que trempette, GG. Mais à haut level, il apprend Gicledo qui fait juste super mal. Hein. Là, par exemple, s'il me fait Gicledo, bah one shot. Hein. Enfin, one shot. Dégommage du Samchi. Mais bon, il apprend level 40, je crois. Juste avant d'évoluer en Wailord, en fait. Je sais qu'il évolue au level 40 parce que j'en avais eu besoin sur ma version Ruby. Mais Pokémon sont nuls. Non, pas du tout. T'as de l'espoir, toi, encore, si tu te rends compte. Alors, on envoie. Non. Non, mais. What the fuck am I doing? Voilà. Voilà, c'est bon. Oui, désolé, je devrais parler d'ailleurs quand je fais ça. Hop là. Alors, potion. Bah, c'est cool. Hop, et on va, bah, oh, un item, on va le récupérer, et puis on va voir ce qu'il veut, le monsieur en haut. Allez, hop. D'ailleurs, pendant très longtemps, oh, super bon. J'ai cru que les... Wow. Ouais, bah, lui, je vais le tuer, tout simplement, parce que ça me prend pas beaucoup de temps de le tuer. Voilà, ça me prend pas beaucoup de temps de le tuer, donc, et que ça rapporte beaucoup d'XP. Bon, alors, bonjour, monsieur. Je traverse ces grottes pour aller à Azuria. Bah ça tombe bien, c'est notre itinéraire. Enfin, notre itinéraire. Notre objectif, les amis, je vous le rappelle. Scout Robin et Kabuto. Kabuto qui est un très bon Pokémon. Hein. Enfin, moi, j'aime bien Kabuto. Hop, et donc, Ampleur. Ampleur 10. Ouais, bien sûr. Comment dire? Aïe. Bah là, il est plus que one shot. Hein. Il se prend du, au moins 2,5 fois sa barre de vie. Hein. Au moins, j'y dis bien. Bon, voilà quoi. Electek, bon, je vois pas de raison de changer. Vive attaque, oh mon dieu, 4 PV. Ampleur 9. Wow, c'est quoi ces ampleurs de ouf là que tu nous fais là? Calme-toi, Schlack. T'es en train de les chlasser. Schlack, chlasser, bref. Voilà. Non, je n'ai pas honte, les amis. Et le dernier va être un Moonjar. Est-ce que toi t'as des. De quoi non, tu n'as rien. Donc on va switcher et on va mettre. Bah, TGF, tiens. TGF, montre-nous la puissance de tes pieds dans la gueule. Vampirisme. Oh, il me suce. C'est dégueulasse. D'ailleurs, l'attaque qui lui sert strictement à rien au final, mais bon, c'est pas grave. Et on va lui faire pic-pic. Parce que nous, on est comme ça. Witch. Bien, donc ça, c'est fait, les amis. Quoi, il a pas level up? Putain, mais schlack. Oh, et à droite, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oui, on s'est été content d'être là. Oh, un item. Bon, d'accord, j'ai compris. Ah, au moins, ça fait level up. Voilà. Pokémon. Et on va passer TGF en premier. Olé. Carte sortie. J'en aurais pas besoin, mais c'est pas grave. Ah, merde. Je voulais lancer ça, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave, Vanta, tu vas te rattraper plus tard. Oh. Tiens, c'est qui ce monsieur? Hello. Ok, bah je connaissais pas ce PNJ en fait, c'est la première fois que je fais attention à lui. Alors, ici, est-ce qu'il y a des nouveaux Pokémon d'ailleurs? Ah oui, il y a de nouveaux Pokémon, tiens, c'est rigolo.
Mais bon, on est toujours au mont Cénith, hein. Je crois. Hello. Et là, les amis, nous affrontons notre premier membre de la team Chaussette. Scarabruit. Bon, bah, ça tombe bien, nous, on a foutu notre TGF en premier. On va lui exploser la tronche. Enfin, plutôt la lui cramer. Bon, j'ai peut-être fait un tout petit peu trop de level up, les amis. Bon, vous me connaissez, je suis jamais trop prudent. Surtout que ce genre de saloperie a l'attaque guillotine. Bon, a beaucoup plus haut level. Je crois qu'il apprend aux alentours du level 45, 46 peut-être. Mais voilà. Bah, et forcément, je fais un coup critique pour l'achever, hein, alors qu'il n'en avait pas besoin. Mais c'est pas grave. Ah bah, tu m'étonnes. Ça fait XP. Hop, qu'est-ce qu'il nous envoie? Un petit art. Pff, pourquoi switcher, hein? Allez, prends-toi mes doubles pieds dans la tronche. Wow! Bon, par contre, je pensais vraiment pas pouvoir le one-shot. Mais je suis content. Et le dernier, ça va être un Fenard qui va quand même se prendre mes pieds dans la tronche. Il devrait résister, par contre. Ouais, il va résister. Mais bon, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai pu me défouler un bon coup, hein. Rune Protect. Oui, bah, t'as raison, bah... Non, j'ai même pas jet de sable. En fait, je voulais le troller en lui balançant jet de sable. Genre, ah, t'as bien fait. Mais non, non, j'ai même pas jet de sable. Hop là. Putain, cet XP que j'ai eu. Oui, tu as perdu. 352. Ah, par contre, il est généreux au niveau fric. Donc, Pokémon. Et on va donc enfin passer notre cher Dino en premier. Hop. On va passer toi ici. Et toi ça. Oui, c'était français. Voilà, et donc là, ici, voilà, il y a un item, ça j'en étais quasiment sûr. Et c'est un morceau d'étoile, donc un truc à vendre. Un Tauros. What? Ouais. Ok, il n'y a plus de Pokémon, au revoir. Toi t'es un rondoudou sur la version de base. Je m'en souviens. Voilà. C'est plus balèze que c'est plus balèze que ce que je croyais ici, pardon, voilà, excusez-moi, j'ai galéré à le dire. Electek. Je vais peut-être devoir switcher. Non, non, Flamèche, allez. Pardon, stop, accélérer, Manta. D'accord, j'arrête d'accélérer. Pardon, excusez-moi, bon, oui, je parle à moi-même, ça m'arrive, mais je sais que c'est super flippant. Donc, bon, forcément, il est KO. Et donc, le Pokémon suivant, c'est un... Oh, gros doudou, mon dieu. C'est presque fidèle, dites-moi. Ouf, ça fait mal, ça. Torgnole. Raté. Mais je pensais pas que notre dino allait faire autant de dégâts. Hop, Myriam, blabla, blabla. Donc, Pokémon. Non, t'es toujours level 18, donc tu restes toujours en premier. Oh là là. Par contre, ça j'ai vraiment pas de repousse là. Eh ben non. Bon bah tant pis, hein. On va faire ça. Hop là. Et ici. Oh, hello. Ça bosse dur ici. Alors du balai. D'accord. Bah pas avant de t'avoir démonté la tronche, mon cher ami. Hop là. L'imagma, bon. On envoie notre cher Dino. Et bah là ça va être griffe par contre, hein, étant donné que bah, si on lui fait griffe facile, il va se prendre quasiment aucun dégât. Et si on lui fait flamèche, bah ça va faire ça. Voilà, 2 PV. Et là, ça va être... Mais là on n'est pas rendu. Bien, ça c'est fait. Donc passage level 19. A mon avis, la seule prochaine attaque qu'il apprendra sera cruel level 36. Ok. Griffe acier. Est-ce que j'ai une éponge spé dans ma team? Ah mais de toute façon je m'en fous, j'ai low class. Je suis con. Au pire des cas, vous savez, j'envoie low class puis comment dire, boom. Alors, vague psy, ça a des dégâts aléatoires, pardon. Donc ouais, faut se méfier, faut se méfier. Enfin, en principe, c'est pas très puissant non plus, mais bon, voilà, c'est par principe ça peut faire mal. Bien. Et donc on va passer Erika en première. Erika d'ailleurs qui a apprécié d'être un Florizard, je crois. Je sais qu'elle a posté un commentaire sur le premier épisode, mais... Ah oui, à savoir que je poste, que je tourne cet épisode, donc, le 25 juin. Voilà, pour vous donner une idée, à 23h28, au cas où vous voulez vraiment tout savoir. Donc, voilà, c'est... Le premier épisode n'est pas encore paru officiellement, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Dans Slam. Oh, mais les amis, mais on va s'éclater, je sens.
Dans Slam, à qui je pourrais apprendre T'es aussi ici pour explorer? Ok. Non mais c'est un gamin, il fallait faire une voix de gamin. Johnny. J'espère qu'il va pas nous allumer le feu. Voilà. Bref, charge. Mon dieu, quelle puissance. 3 PV. Non mais c'est pas mal parce que faut pas oublier que Florizarre c'est aussi un tank. Donc oh, 312 points d'XP. Et ensuite... un Boostiflore. Bien, bah encore un Pokémon plan de poison, c'est plutôt cool. D'ailleurs, moi sur la première... Sur Or, Argent, Cristal, je pensais que Boostiflore était... que les Pokémon plantes, pardon, craignaient les attaques psy à cause de Boostiflore, justement. Boostiflore et Ortide. Putain, mais... oh, mais stop! Et pourquoi t'as que des Pokémon plantes, toi? Casse-toi, hein. What? Mais comment tu paralyses? Tu peux pas... Feuille magique. Non, mais... allô? Non, mais allô, monsieur? Enfin, oui, si, monsieur, jolie fleur, d'ailleurs. J'ai une double résistance. Et tu recommences. T'es vraiment con. Bon allez, au revoir. Et donc, passage au level 19 pour Erika. Ça tombe bien parce qu'il était paralysé, donc... elle était paralysée, donc plus très utile. Hop. Ça craint vraiment perdre. Oui, bah oui, tu m'étonnes. En plus, t'as perdu ton argent de poche, mon gars. Oui, parce que je l'ai... moi, je l'ai raquette, hein, une fois que je les ai battus. Bien. Hop. Ouais, puis merde, on fera ça une autre fois. Oh, lui, je l'affronte pas de suite. Oh! Casse-toi. Voilà, Pierre Lune. Et donc maintenant, monsieur. Yaha, tu m'as fait peur. Quoi? Mais t'es super jeune. Mais oui, mais là, pour faire de la spéléologie, il n'y a pas d'âge, les amis. Hein. D'ailleurs, si vous êtes spéléologue en herbe, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, bon, j'adore la spéléologie personnellement. Même si bah, j'en ai fait que 3 fois dans ma vie. C'est triste, hein, mais bon, moi j'adore ça. Donc si vous êtes spéléologue, dites-le moi parce que pouce vert. Voilà, c'est tout. Hop là. Ou si vous aimez vous aussi la spéléologie, hein, ça marche aussi. Bref. Ouais, vous avez vu, je connais un mot compliqué, donc maintenant je le ressors tout le temps. Anorite. Donc ouais, bon, on a déjà vu un dans l'épisode précédent, si je me souviens bien. Donc roche insecte, je vous rappelle. Rappel, pardon. Hop là. Et enfin, ça va être un... Kirlia, bon, pas de gros problème, logiquement il a choc mental et encore j'en suis même pas sûr. Et en plus je le one-shot, voilà, de toute façon en même temps ça m'étonne pas parce que je one-shot des garde-voirs parce qu'à l'extérieur il y a des garde-voirs. Je viens de me rappeler que j'avais oublié de faire un truc, donc les amis, ouais, si, je vais faire maintenant. Voilà. Un truc que j'avais dit que je ferais et que j'ai oublié de faire, les amis. Oh, vous inquiétez pas, hein, je suis pas en train de déconner. D'ailleurs, il faudra que je m'occupe de renommer les boîtes à un moment. Hello. Ouais. Se fait avoir et achète le Magikarp. Je me fais pas avoir, les amis. Hein. Nope. Voilà. Je m'occuperai de lui donner un nom plus tard. Ah, déplacer Pokémon, et donc, déplacer. Voilà, donc on s'occupera de le faire XP plus tard, voilà. C'est tout, donc là je vais faire une rapide ellipse, les amis, parce que je vais aussi aller acheter du repousse. Donc, à de suite, on se retrouve dans la grotte. Je suis tombé là-dessus en passant, donc bon, tant qu'à faire. Hop là. J'ai pas fait exprès, hein. J'étais en mode accéléré, puis je suis tombé sur cette dresseuse, en fait, que j'avais oublié de faire. Donc bon, ben voilà, go, hein. Alors, voyons ça. Beaucoup de défense P, beaucoup de défense aussi. Non, voilà, beaucoup moins de défense donc. Mais aïe, c'est méchant. Est-ce que je te fous de la boue dans les yeux, moi? Ok, bon, allez, hop, il m'a enlevé de la précision. C'est parti pour un combat long. Voilà. Bon, bah, level up. Voilà. Ouh, oui. Alors, on va oublier Brume, qui me sert à rien. Voilà, bien. Voilà, voilà, donc re-ellipse les amis. Oui, j'étais là, j'étais juste là en fait. Ellipse. 2 mètres plus loin. Voilà. Oh, je suis désolé. Bref, c'est pas grave les amis. Donc toi, je sais que t'as beaucoup de défense P, donc on va juste t'attaquer bah, directement. Enfin, genre
Bah ok, voilà, bon voilà. Donc voilà, donc les amis, donc je dis re-ellipse. J'espère que je vais pas encore tomber sur un dresseur. Et re tout le monde, bon bah c'est reparti, hop là. J'ai du repousse sur moi, donc forcément je vais me faire un peu moins agresser par les Pokémon sauvages. Ce qui est cool, hein, je vous le dis. Et donc, là y a pas un truc. Si, y a toujours des trucs. Rappel, bon bah un truc à vendre, hein, forcément je vous rappelle que je n'ai pas le droit d'utiliser de rappel les amis. Et donc, hop, un grunt. Enfin, un sbire, pardon. Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Ok. Pourquoi pas. Alors. Et Oko est envoyé par le sbire de la team Rocket. Bon, mais pourquoi pas. Et Oko. C'est pas un Pokémon terrible, hein, le Et Oko, hein, au final. Non, vraiment, c'est vraiment pas un Pokémon terrible. Pourtant, il est super rare, hein, sur Ruby Sapphire Emerald. Genre, je crois qu'on a 5% de chance de le rencontrer à un endroit bien spécifique. Donc, ouais. Faut vraiment le savoir, hein, qui est là. Oh, Papilu. Ouais, j'ai honte. Hop là. Choc mental. Oui, 6 PV. Pas mal, pas mal. Bref, nous avons donc maintenant Samphi qui passe au level 20. Voilà. Et sa prochaine attaque donc est dans 2 levels. À savoir étincelle, hein, je vous le dis. Qui est une attaque basée sur l'attaque SP, hein. Pas sur l'attaque normale, hein. Un fluo-néon. Hein, oui, un fluo-néon, c'est à toi que je parle. Je sais que t'es en train de regarder la vidéo là. Bon, en même temps, il le saura jamais s'il la regarde pas, hein, donc, que je viens de lui dire ça. Voilà. voilà, bon allez, c'est parti donc. Hop, maintenant qu'on a mis Schlack en premier. Go. Hop, j'en ai acheté 15, hein, initialement. Il m'en reste déjà plus que 12. Mais bon, au moins, j'ai pas affronté le moindre Pokémon sauvage. Il reste plus que 2 dresseurs en plus, si je me souviens bien. Un Grunt et un Anorite. What? La Team Rocket trouve les fossiles et fera fortune en les vendant. Un Anorite? Mais c'est un scientifique, pas un Anorite. Je suis malade. Non, vraiment, j'ai un problème aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Meganium. J'ai mis qui en premier? On switch. On switch de suite. J'ai pas envie de perdre notre cher Schlack. Et on va mettre TGF. Voilà. Donc j'espère, je présume que c'est une attaque charge. Mais quelle tâche, casse-toi. Tu ne mérites pas de vie. Enfin là il va survivre parce que c'est une éponge, mais voilà. J'en pense pas moi, trancherbe. Ah, il aurait fait ça sur Schlack, ça aurait fait très mal. Ce n'est pas très efficace, oui bah oui, mais sur l'autre ça aurait été très efficace. Voilà. Oui, oh, passage au level 20. Est-ce que tu apprends un truc? Nope, tant pis. Et donc ensuite, c'est un gros ray. On va rester. Non, on est type combat, donc on va pas rester. On va mettre. Schlack. En espérant ne pas se faire surprendre par une attaque un peu. What? Trompette? Vous êtes sérieux? Je savais même pas qu'il pouvait la prendre. Casse-toi, allez. Je veux plus voir de gros ray là, c'est fini là, t'es grillé à mes yeux. What? Flair. Le Pokémon, il a trompette et flair. Mais ampleur 6, pas à peine de faire trop fort. Te foule pas, hein, Schlack. Mais n'importe quoi. Trempette et flair, quoi. Gris, je suis vert, hein, oui, moi aussi, quoi. Trempette sur un gros ray, quoi. Voilà. Et toi, là, c'est fou s'ils sont à moi, pas touche. J'adore cette musique, bon, pardon. Non, mais c'est vrai que je voulais pas encore fait écouter cette musique, enfin, musique d'agression des dresseurs. Bon, voilà, c'est fait. Bonita, bon, là, on va s'éclater, hein. Enfin, non, on va plutôt l'éclater, lui. Ampleur. Quoi? Ah oui, non, mais bata, je vais dire quoi, il est plus rapide que moi. Il est rapide de base, bon, voilà, c'est one shot, de toute façon. Là, même un ampleur 3 aurait suffi, hein, je vous le dis. J'ai jamais vu d'ampleur 1, d'ailleurs. Si vous avez vu un ampleur 1, dites-le moi dans les commentaires aussi, parce que ça m'intéresse. Je crois que c'est capé, je crois qu'on peut faire minimum que du 3. Hein. Ça m'est arrivé une fois de faire du 3. Ampleur 7.
En principe, ouais, c'est toujours 5, 6, 7. C'est, voilà, c'est ce qu'on revoit le plus. Ah, mais je suis con, moi, c'est un Pokémon. Oh. Ouais, mais il a tellement pas d'attaque spé, quoi. Allez. Et merci d'être passé, Marest. C'était très gentil à toi. Hop. Voilà, et enfin, le dernier, un Nelidel. Bon, là, c'est le switch obligatoire pour mettre... Dino pour faire un duel aérien. Voilà, c'est tout. Coucou, je suis un gros dragon. Et on va lui faire Flamèche. Ça fait du poulet rôti. Pff, ok. Alors, c'est là où il me sort effort. Non, même pas. Ouais, ouais, bah forcément, bah, puisqu'il est brûlé, il a son attaque divisée par deux, quoi. Voilà. Moi je l'achève pas moi-même, je laisse cuire un petit feu, hein, faut qu'il soit prêt. Hein. Et voilà, il est prêt. Dégustez le temps qu'il est chaud. Hein. C'est dégueulasse. Je suis désolé. Bon, alors je sais pas quel fossile fait quoi. Donc je vais prendre celui-là. Ouais, le dôme en fait. Ça a l'air cool. J'espère que c'est Kabuto. Mais je me, ne me le spoilez pas et je ne regarderai pas sur net. J'aurai la surprise à. La surprise à cramoisi. Oh. Antidote. Bah c'est cool. Ça me sera pas très utile pour le moment, mais peut-être un. Il reste trop à faire. Et voilà. Donc nous sommes route 4 les amis. Donc hop. Et il fallait que. Ah hop, tiens. Bah hop. Oui, alors. Hop. Alors toi tu peux apprendre que c'est que m'attaque. Préscience ? Non. Oui, ok. Alors lui il apprend donc préscience. C'est. J'ai changé Mof Tutor. Et toi ? Oui, oui. 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 Bah toi. Oh ah bah ça par contre. Ouais, on va prendre Bomber Cam. Voilà. Et ah, toi. Voilà. Et on va oublier. Bah charge. Ça fait combien? 90 de puissance. What? Ok. Voilà. Et donc, ce que je vais voir, c'était. Ouais, donc ici, je pourrais pas capturer de Pokémon. Enfin, Pigraine. What? Oups, je suis sûr. Oups, je viens de faire du jus de baie là. Hop. Bon, on est arrivé, on va terminer l'épisode là, les amis. Mais je vérifie sur la carte donc. Ouais, c'est bien route 4. Donc, non, j'ai pas le droit de capturer de Pokémon. On va rapidement voir ce qu'il y avait dans les herbes pour voir ce à côté de quoi je passais. On regarde ici, y'a rien. Pas d'item, non. Bah, non, d'ici, y'a un Pigraine. Ok, donc, est-ce qu'il y avait des Pokémon intéressants? Oh, non. Non. Non plus. En tout cas, c'est pas des Pokémon qui me plaisent. Non, bah. Apparemment, il y avait que ça. Donc, franchement, je préfère Magikka. Ou quoi? Non, bah non, je suis con. J'ai mon Florizarre. Ah, il y avait Absol. Ouais, bon, en même temps. Il aurait fallu que je tombe dessus en première. Ouais, bon, voilà. Donc, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que les vidéos vous intéressent. N'hésitez pas non plus à regarder les vidéos de Stro sur The Binding of Isaac. Hein. Et donc, les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Pokémon Rouge Feu en Randomizer Nuzlocke Challenge. Allez, salut tout le monde!